Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors les gars, aujourd'hui je sors de deux capots et on s'est dit avec Khalid qu'on allait insister sur la Mayenne, sur la rivière sur laquelle je prends mes capots. Donc l'objectif c'est de prendre du broc, hein, toujours du broc et puis pourquoi pas des perches s'il y en a. J'ai pris la canne à drop shot. Donc voilà, on va essayer de faire tout ça. Petit rappel les gars, pour ceux qui veulent, il reste encore quelques stickers en précommande sur la boutique, donc je vous mets le lien dans la description. Bon allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti les amis. On va mettre la pâtée à Khalid. Oh, poisson. Premier lancé. Incroyable. C'est un broc. Incroyable. Truc de baiser. Mais non. Ah, j'espère que je vais me faire couper, je suis en 20 centièmes. Oh, c'est correct. Incroyable. Oh, ça c'est pas gros. Ouais, premier lancé gros. Incroyable. Allez. Truc de... Eh gros, avec un mini crank hein. Ah ouais gros, là j'ai lancé, là j'ai vu le petit spot à herbier, je me suis dit ouais c'est sûr, il y en a un là. Ça commence bien. Ah, ça rassure après deux capots là. Mais non. Oh, la cartouche que ça tenait. Yes les gars, premier lancé, un petit pike de 50, on est bon, regarde, elle est correcte, belle couleur et tout, allez release. Ah, il avait la gouache en plus. Ah yes. Ah yes. Oh là là, il fait plaisir celui-là. Il a chez le bending parce que là c'est un coup que il nous aurait cisaillé, mais non c'est bon. Allez, on continue. Oh, une touche. Poisson. Oh, une belle perche. Ouais. Oh là là, la belle perche. Je vais l'épuiser. Hop. Yes. Allez, correct. Nice. Oh, j'ai cru que j'étais accroché au début. Alors, bougez pas. Je vais vous montrer ça. Ah, calme-toi. Yes, regardez-moi ça. Une belle perche là, de la Mayenne. Elle est vraiment cool. Allez, je vais la release. Hop. Yes, les gars. Ah, ça fait plaisir. Deux beaux poissons. En à peine 2 heures là, donc c'est vraiment cool. Au drop shot, je l'ai prise sur le petit verre là de chez AliExpress, donc on va continuer avec ça. Faut savoir que les deux poissons que j'ai pris ce matin, que ce soit le brochet ou la perche, c'est pris sur des couleurs assez naturelles, donc c'est vraiment cool. Il va falloir continuer sur la piste du naturel et en espérant toucher nos billes. Oh, j'ai une touche. Oh. Une perche. Poisson. Oh, décroché. Elles sont là. Je l'ai vu. Le vent. Oh, le vent de merde, toi. On va rigoler pour remonter, je pense. Oh, regarde, il y a une chasse, là. Bah ouais, ça. Mais ouais, laisse tomber, c'est un truc de ouf. Oh, poisson. Oh. Ouais. Oh. Ah gros, il l'a pris alors que l'heure il bougeait plus. Le leurre il était juste devant moi. Je t'avais dit que j'allais faire un brochet. Ah oh, putain, il est piqué au bout. Allez, let's go. Eh ben, le leurre gros, tu sais, je parlais avec toi et tout. Mon leurre il t'a... Enfin, il a avancé, tu vois, mais pas beaucoup, je pense. Allez, viens. C'est bon, tais-toi un peu là. Et petit pike, les amis. Pris au crank dans les nénuphars. J'avais dit à Khalid que j'allais faire un métré. Il y est presque. Alors, on le release. C'est le petit, ouais. Chercher sa maman. Oh, poisson. Décrocher, non. Oh non. Mais non.
Mais non, putain. Oh l'attaque. Oh, ce qui m'a collé. Ah, oh, j'ai les boules là, c'est une belle attaque. Fais gaffe, il y a un bateau qui arrive. Oh, incroyable, en surface il me le tâche. Je pense que c'était un broc encore. Oh, les boules. Oh là là, je l'ai effairé pourtant. Oh fuck. Ah, j'ai vraiment pas de chat les gars là. J'essaie d'insister mais à mon avis il est plus là, hein. Je l'ai piqué de toute façon. Oh là là, quel dommage. Quel dommage. Ah, j'ai envie de pleurer là. Ça aurait fait 3 brocs dans la journée. Ah, quel dommage. Bon là les gars, c'est la fin de la pêche pour moi et Khalid. On a eu pas mal de loupés mais on fait quand même quelques poissons donc c'est plutôt cool. Il fait assez froid là, clairement ce matin il faisait 0 degré, là il doit faire 10 degrés max, donc c'est des conditions assez bizarres pour le coup, mais bon, on a quand même fait des fiches. Cette semaine là je vais continuer à pêcher, j'espère pouvoir vous sortir du contenu pour mardi prochain. Je vais faire peut-être un étang là dans la semaine où il y a du broc et puis je vais continuer à pêcher la Mayenne, je vais insister. Donc je vous retiens au courant sur YouTube dès qu'il y a du poisson de fait, je vous ferai une vidéo. Allez, peace.